Bonsoir à tous. Nous sommes très contents d'être chez vous. Et c'est l'émission Le Retour à la Parole de Dieu. Nous sommes très ravis encore d'être ce soir avec vous par la grâce du Seigneur pour partager la parole de Dieu, pour nous encourager mutuellement, pour élever encore le nom du Seigneur Jésus. Et je nous invite à nous recueillir dans la prière un moment pour que Dieu prenne le contrôle de toutes choses. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton esprit, merci pour ta présence, merci pour le privilège que tu nous accordes encore ce soir de parler de toi, Seigneur. Je prie pour toutes les personnes qui nous suivent, que ta parole touche leur cœur. Merci de nous garder fidèles à toi jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus, Amen. Donc ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons parler du royaume de Dieu. Nous allons parler ce soir par la grâce du Seigneur des différents aspects du royaume, comment faire pour avoir accès au royaume. Et nous parlons par la grâce de Dieu vraiment du royaume. Parce que le but est d'interpeller les chrétiens à revenir à Dieu. Le but est d'interpeller les chrétiens, n'est-ce pas, à connaître là où on va. Parce que vous savez, lorsqu'on va à l'école, c'est vrai que lorsqu'on est enfant, on va simplement parce que nos parents nous y emmènent. Mais à un moment donné, lorsqu'on a un certain niveau d'études, on se rend compte qu'on apprend par objectif, on a des objectifs. Alors lorsqu'on est au collège, lorsqu'on est au collège, en 6e, 5e, notre premier objectif est d'avoir notre BPC. Et lorsqu'on franchit ce cap, qu'on a en second, notre objectif est d'avoir notre bac. Et pareil pour la suite, lorsque on arrive à l'université, on va avoir son DUT, on va avoir sa licence, sa maîtrise, son doctorat et son agrégation. Et la même chose avec la vie chrétienne. On est chrétien et on n'est pas chrétien pour rester sur terre. Voilà, en tant que chrétien, on a une destination finale. On a un lieu qui nous attend et il est important que les chrétiens, n'est-ce pas, et les nations et les hommes soient interpellés par rapport à cela. Donc on va parler du royaume ce soir et on va prendre comme ça un passage dans Matthieu chapitre 4, le verset 17. Donc on est dans Matthieu chapitre 4, le verset 17. Donc Matthieu chapitre 4. À partir du verset 12. À partir du verset 12. Donc, Matthieu chapitre 4, à partir du verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été mis en prison, se retira dans la Galilée. Ayant quitté Nazareth, il alla demeurer à Capernaum, ville maritime, sur les confins de Zabulon et de Nephtali. Verset 14. Afin que fût accompli ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète en disant: Le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain et la Galilée des nations, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et pour ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière elle-même s'est levée. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. On s'arrête ici au verset 17. Donc ici, on apprend que Jésus, sa première prédication, il nous parle du royaume. Il dit donc, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors la racine du mot royaume nous parle de domination, nous parle d'autorité, nous parle de règne. Donc ici, il dit, repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Donc ici, on apprend que le royaume de Dieu marche. S'il est proche, c'est qu'il est en train d'arriver. Donc on apprend que le royaume de Dieu est proche. Et pourquoi la première prédication du Seigneur Jésus est basée sur le royaume? C'est parce qu'il avait compris que notre royaume n'était pas de ce monde. C'est parce qu'il avait compris qu'on était des voyageurs et des pèlerins sur la terre.
Donc c'est pourquoi il voulait ramener les chrétiens, ramener le peuple d'Israël, il voulait ramener les juifs à cette réalité spirituelle, la réalité du royaume. Parce que lorsque la notion du royaume quitte nos cœurs, lorsque la notion du royaume quitte nos esprits, on vivra comme des personnes qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont pas d'espérance. Donc ici, première prédication du Seigneur, il parle du royaume des cieux. Alors le royaume des cieux n'a rien à y voir avec nos assemblées. Le royaume des cieux n'a rien à y voir avec tous ces bâtiments là où on qui s'appelle le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est la cité de Dieu. Alors le royaume des cieux nous parle de quoi? Le royaume des cieux nous parle du ciel. Le royaume des cieux nous parle de la Jérusalem. Le royaume des cieux nous parle de quoi? Le royaume des cieux nous parle de Jésus. Le royaume des cieux nous parle de quoi? Le royaume des cieux nous parle aussi du règne millénaire de Christ sur terre. Il est important que les chrétiens soient édifiés par rapport au royaume. Donc ici, Jésus nous donne une réalité. Qu'on doit se repentir, verset 17, voilà. Il commence à prêcher, à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est en train d'arriver vers nous. On comprend ici que le royaume des cieux s'approche des hommes. Le royaume des cieux s'approche de nous. Et pour avoir accès ici, l'élément indispensable, fondamental, c'est la repentance. Alléluia. Donc ici, il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il est important que les chrétiens réalisent la notion du royaume. Lorsqu'on va un peu en arrière, dans Matthieu chapitre 4, les premiers versets, donc dans Matthieu chapitre 4, on va voir les premiers versets. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour y être tenté par le diable. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, finalement il eut faim. Verset 3. Et le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus répondit et dit, il a écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 5. Alors le diable le transporta dans la sainte ville et le mit sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il a écrit, il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une haute, sur une montagne très élevée. Et il lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Mais Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges s'approchèrent et ils le servaient. Alors à partir du verset 7, on remonte un peu plus haut, on remonte, verset 7. On est au verset 8, autant pour moi. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ici pour les chrétiens qui s'attachent à la terre, pour les chrétiens qui s'attachent au monde? C'est que le maître de la terre, le maître des royaumes terrestres, c'est Satan. Vous voyez, il amène le Seigneur sur une montagne élevée. Il lui montre tous les royaumes de la terre. Et leur gloire. Donc on comprend que derrière les royaumes de la terre et leur gloire, il n'y a pas Dieu derrière, il y a Satan. Alors ces royaumes nous parlent de quoi? De tous nos pays, des nations, n'est-ce pas? Du royaume, du règne des hommes. On apprend ici que le règne de Dieu n'a rien à y voir ici avec le règne de ténèbres, hein, le règne de Satan. Parce qu'il amène Jésus sur une haute montagne, il lui montre tous les royaumes de la terre, sans exception. Et leur gloire. C'est-à-dire que la gloire qu'il y a derrière ces royaumes-là, ce n'est pas une gloire qui vient de Dieu. Alors, pourquoi on va prêcher l'évangile aux chrétiens et on va leur dire de rechercher les choses de la terre? Ils sont là pour une réalité. On a vu que Jésus parle d'un royaume. Mais on apprend qu'il y a deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Ici, Satan présente son royaume à lui. C'est la gloire. Cette gloire, c'est quoi? C'est la vaine gloire. Le désir de paraître, de régner, de dominer sur les autres. Jésus le disait. Que les princes, les gouverneurs de ce monde les tyrannisent. Il les domine, il les asservit. C'est ça le royaume des ténèbres, le règne selon Satan. On a servi son prochain,
on domine sur les autres. On ne pense pas aux autres. Et quand je me rends compte qu'il y a des chrétiens, il y a des pasteurs, des prophètes, des apôtres et des docteurs qui prêchent un évangile terrestre aux chrétiens. On enseigne aux chrétiens, n'est-ce pas, à venir à Jésus pour les biens matériels. On enseigne aux chrétiens, n'est-ce pas, à venir à Jésus pour les biens de ce monde. Et si on apprend que derrière les royaumes de la terre, derrière tous les royaumes de la terre, il y a Satan derrière. Vous avez vu, il dit, fais sauve, ces royaumes appartiennent. Si tu te prosternes, comme on l'a vu au verset 8, si tu te prosternes et m'adores, voilà, verset 9, il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Donc on voit quoi ici? Que pour avoir le royaume de Satan, pour régner dans le, n'est-ce pas, sur la sphère où Satan règne, il faut se prosterner devant lui, il faut l'adorer, c'est une réalité spirituelle. La terre là, c'est Dieu qui l'a créée. Mais à cause du péché d'Adam et Ève, n'est-ce pas, Satan a pris l'autorité, a pris le pouvoir. Il dit que ces choses m'ont été données. Mais données par qui? Données par Adam et Ève. Parce que vous vous rappelez que quand Dieu crée le monde, il crée le monde, tout ce qu'il crée est bon et parfait. Il donne la domination, le règne à l'homme. Et on voit que par le péché d'Adam et Ève, ils ont perdu leur domination, ils ont perdu le règne. Et Satan a pris maintenant ses royaumes. Donc on comprend aujourd'hui qu'aujourd'hui, pour être président de la République, roi, gouverneur, tout ce que vous voulez, il faut appartenir à Satan. C'est pourquoi un chrétien ne peut pas aspirer à faire de la politique. Ça, c'est le royaume de Satan. Et de l'autre côté, dans le royaume de Dieu, pour avoir accès au royaume de Dieu, c'est la repentance. C'est la repentance. Il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. La repentance nous parle de quoi? De métanoïa, du changement de mentalité, du changement de position vis-à-vis du péché. Alléluia. Donc ici, on comprend qu'il y a une chose, c'est que le royaume des cieux, c'est Jésus qui nous le donne. Dans le verset 17 de Matthieu 4, hein, il dit, répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Comment faire pour acquérir le royaume de Dieu? Il faut passer par la repentance. Donc le royaume des cieux nous parle de qui? Ça nous parle du ciel. Ça nous parle du trône de Dieu. Parce qu'on a vu que la racine des mots royaume nous parle de règne, de domination, de puissance. On va prendre un autre passage comme ça dans Matthieu 6. On est dans Matthieu 6, le verset 33. Il est important de parler du royaume, pourquoi? Parce qu'en fait, les chrétiens sont ignorants là où ils vont. Donc, on est dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Il est important de rappeler aux chrétiens que notre royaume n'est pas de ce monde. C'est ça le but de ce partage. Nous rappeler que notre royaume n'est pas de ce monde. Notre royaume, il est céleste. Donc, Jésus va nous dire au verset 33 de Matthieu chapitre 36. Donc, on est dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, autant pour moi. Il dit, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Gardons le fait passage à l'écran, s'il vous plaît. Il dit, mais recherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, en tant qu'homme sur terre, vivant sur la terre, la première chose qu'on doit rechercher et désirer, c'est d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Donc on apprend ici que le royaume de Dieu nous parle de quoi? De sa justice. C'est quoi la justice? C'est l'équité. C'est quoi la justice? C'est de ne pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. C'est quoi la justice? C'est penser aux intérêts des autres. Donc il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et on a vu tout à l'heure que le royaume de Dieu nous parle de qui? De Jésus. Donc rechercher le royaume de Dieu, c'est chercher qui? C'est rechercher Jésus. Rechercher le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est rechercher les choses d'en haut. Parce qu'on a vu en guise d'introduction que notre royaume n'est pas de ce monde. Le royaume de ce monde appartient à Satan. C'est Satan qui règne, qui gouverne, qui dirige. Mais nous, notre royaume, il est céleste. Donc ici, il nous dit de chercher premièrement. Donc la première chose que tous les chrétiens doivent faire, la première chose que tous les humains doivent faire sur la terre, c'est de chercher le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu n'est pas visible. Il est invisible. Il est spirituel. Il est céleste. Il est divin. Et on a vu, n'est-ce pas, que le royaume de Dieu nous parle de Jésus. Donc, on doit rechercher Jésus. On a vu que chercher le royaume, c'est quoi? C'est chercher les choses d'en haut. Colossiens
chapitre 3, à partir du premier verset. Donc ici, le Matthieu 6, 33 nous apprend une réalité spirituelle. C'est qu'on doit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ça dit que dans notre quotidien, chaque jour lorsqu'on se réveille, on doit avoir la pensée du royaume. Donc on est dans Colossiens, le chapitre 3 à partir du premier verset. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est quoi chercher le royaume? C'est chercher les choses d'en haut. Il dit d'abord que si vous êtes ressuscité avec Christ, ressuscité mais comment? Par le moyen de la nouvelle naissance, par le moyen de la naissance d'en haut. Donc si on est né avec Jésus nouvellement, si on a renoncé au péché, il nous encourage Paul à chercher les choses d'en haut. Les choses dont on nous parle de quoi? Du royaume des cieux. Les choses dont on nous parle de quoi? De la sainteté, de la crainte de Dieu, de la vie de l'esprit, de la vie de Dieu, du fruit de l'esprit. Donc on comprend ici que le royaume a plusieurs aspects. L'un des aspects du royaume, c'est Jésus. Un autre aspect du royaume, n'est-ce pas, c'est les choses d'en haut. Donc les choses qui sont, qui appartiennent au royaume. La sainteté, la crainte de Dieu, la pureté. Donc chercher le royaume, c'est quoi, frère, en d'autres termes? Chercher le royaume, c'est s'éloigner du péché. Chercher le royaume, c'est fuir le monde. Et Jésus l'a dit, que le monde vous hait parce qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, n'est-ce pas, il vous écouterait. Donc le monde ne nous écoute pas parce qu'on n'appartient pas au monde. Parce que justement, la gouvernance de ce monde est gérée par Satan. Prenons encore notre passage. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19. J'ai envie de nous amener à comprendre, j'ai envie de parler du royaume, mais j'ai vraiment envie de nous amener à comprendre aussi des réalités spirituelles. Qu'un bon chrétien ne peut pas s'attacher aux choses du monde. Parce que le monde là est sous la puissance du malin. On est dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Il est important que les chrétiens soient éclairés. Voilà. 1 Jean chapitre 5, le verset 19 dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est plongé dans le mal. Une autre version dit, nous savons que nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est plongé dans le mal. Alors si le monde est plongé dans le mal et que toi tu veux t'attacher au monde, c'est que tu seras naturellement plongé dans le mal. Donc si toi chrétien, tu veux appartenir à Jésus, tu veux vivre pour lui, tu veux vivre selon son royaume, en voulant vivre selon le monde, tu seras plongé dans le mal. Parce qu'on apprend ici que le monde entier est plongé dans le mal. C'est qui le père du mal? C'est Satan. Donc on comprend que le monde entier appartient à Satan. Chrétien, ne cherche pas à t'attacher au monde. Ne cherche pas, n'est-ce pas, à ce que le monde soit ton ami. Parce que nous, notre royaume n'est pas de ce monde. Nous, on attend la nouvelle à Jérusalem céleste. C'est qu'il y a des solides fondements. Donc, on est en train de parler du royaume. C'est quoi chercher le royaume? C'est chercher Jésus. C'est quoi chercher le royaume, n'est-ce pas? C'est marcher selon les commandements du Seigneur. Alléluia. Donc, on va encore voir un autre aspect du royaume. On est dans Matthieu, n'est-ce pas, chapitre 23, le verset 13. Matthieu, chapitre 23, on va lire le verset 13. Donc, frère, il est vraiment important qu'on soit édifié par rapport au royaume. Matthieu 23, le verset 13. Mais malheur à vos scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez le royaume des cieux aux gens. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. Donc ici, on apprend quoi? Gardons un peu le curseur sur le Matthieu 23, le verset 13 là. Qu'est-ce qu'on apprend ici? C'est que il y a des gens qui ferment la porte du royaume aux autres. Alors comment peut-on fermer la porte du royaume aux gens? Ici, on parle des scribes et des pharisiens. Mais dans notre génération, on a toutes ces religions diaboliques. Dans notre génération, on a toutes ces assemblées qui ne viennent pas de Dieu, qui ferment le royaume de Dieu aux gens. Et comment ils procèdent? C'est en encourageant les gens à vivre dans le péché. Quand on ne nous prêche pas la sainteté, quand on ne nous prêche pas la crainte de Dieu, on encourage les gens, n'est-ce pas? On ferme le royaume aux gens. Donc ici, il dit malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez le royaume des cieux aux gens. Et eux-mêmes, ils n'entrent pas. Comment on ferme le royaume aux gens?
Mais si nous prêchons un évangile terrestre, un évangile, n'est-ce pas, qui est basé sur l'argent, qui est basé sur le mariage, sur le travail, qui est basé sur les choses terrestres, c'est une façon de fermer le royaume de Jean. Comment peut-on encore fermer le royaume aux gens? Mais c'est par toutes ces sectes et ces religions, telles que le catholicisme romain qui est complètement une religion diabolique, telles que l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, le confucianisme, l'athéisme, autant de religions, autant de sectes, le protestantisme, toutes ces religions, l'adventisme, toutes ces religions ferment le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne nous prêche pas Jésus. Parce qu'on ne nous prêche pas que notre royaume est à venir. Même les assemblées éveillées, pentecôtistes, pourquoi ils ferment le royaume aux gens, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne prêchent pas aux gens la vérité. On a vu tout à l'heure que le royaume de Dieu est basé sur la justice. Mais c'est quoi la justice? C'est prêcher la parole de Dieu sans détour. C'est quoi la justice? C'est le fait de ne pas falsifier la parole de Dieu. Mais dans beaucoup de nos assemblées, qu'est-ce qui se passe? On falsifie la parole. Et là, c'est une façon de fermer le royaume aux gens. Lorsqu'on ne te dit pas que Jésus est en train de revenir, que tu dois mettre ta vie en règle, en ordre sur la parole, mais on te ferme le royaume. Et qu'est-ce qu'on apprend? Ce que vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. C'est-à-dire qu'ils s'opposent. Ils s'opposent complètement. Les gens qui veulent rentrer au royaume de Dieu, qui veulent avoir accès à la vérité, au véritable évangile. Mais ce faux prophète, ce faux pasteur, ce faux serviteur de Dieu s'oppose. C'est comme si le royaume de Dieu, c'est l'image d'une porte. Jésus l'a dit dans Matthieu 7, que entrer par la porte étroite, car large est la porte qui mène à la perdition. Il nous parle du chemin resserré qui mène au ciel. Donc ces hommes-là, ces faux serviteurs de Dieu se mettent devant cette porte. Ils empêchent aux chrétiens d'entrer. Les chrétiens veulent venir à Jésus. Mais ils disent non. Jésus est mort à la croix, n'est-ce pas, pour qu'on soit riche. Jésus est mort à la croix, n'est-ce pas, pour les biens de ce monde. On ferme le royaume aux gens. Ils empêchent aux gens. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils en foutent les chrétiens. Ils prêchent un évangile qui est complètement dilué, qui est complètement faux. Ils travaillent avec des fétiches pour que les chrétiens n'aient pas accès à la vérité. Pour que les chrétiens n'aient pas accès au véritable évangile. C'est ça ici. Eux-mêmes, ils ne rentrent pas. Ils savent qu'ils sont déjà jugés par le Seigneur. Parce qu'ils ont vomi Dieu, parce qu'ils ont renié le Seigneur. Ils savent que leur condition est déjà, n'est-ce pas, déterminée. Mais ils font quoi? Ils empêchent aux chrétiens. Ils empêchent aux hommes d'avoir accès au royaume. C'est pourquoi on vient là pour prêcher le royaume des cieux. C'est quoi le royaume? C'est la sainteté de Dieu. C'est quoi le royaume? C'est la vie de Dieu. C'est quoi le royaume? C'est l'obéissance à la parole du Seigneur. Parce qu'on l'a vu dans Colossiens chapitre 3 verset 1. Si vous êtes mort avec Christ, restez avec lui, cherchez les choses d'en haut. Donc, le royaume nous parle des choses d'en haut. Le royaume nous parle de la vie de Dieu. Le royaume nous parle de la prière, de la méditation. Le royaume nous parle de quoi? De la sainteté. Et lorsque tu es dans une assemblée, on ne te prêche pas le royaume, il faut fuir de là. Parce que le but, n'est-ce pas, c'est de t'empêcher d'avoir accès au royaume. Oui, on va le voir, plus on va partager. On va prendre un autre passage. Dans Luc 17, 20. Il est important que les chrétiens, n'est-ce pas, sachent là où on va. Il est important de savoir là où on va. On va quelque part. On va vers la Nouvelle Jérusalem. C'est ça notre royaume, c'est le ciel. Nous ne sommes pas de ce monde. Pourquoi allons-nous nous attacher au monde? Jésus l'a dit dans Matthieu 10 là-bas. Que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Donc on est dans Luc, n'est-ce pas, au chapitre 17, le verset 20. Or, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit et leur dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention. C'est ça le royaume. Le royaume nous parle de l'humilité. Le royaume de Dieu nous parle de l'humilité. Le royaume nous parle de la simplicité. Donc ici, on apprend quoi? Que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention. Ce n'est pas parce que tu vas une grande cathédrale bien construite, n'est-ce pas, avec des bijoux, avec l'or, l'argent, que c'est ça le royaume. Ce n'est pas parce que tu vas entendre, n'est-ce pas, ce pasteur venir prêcher avec leur grosse soutane, n'est-ce pas, leur grosse Bible, que le royaume est là. Parce qu'on apprend que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention. Le royaume nous parle de l'humilité. Le royaume nous parle de la simplicité. Le royaume nous parle de Jésus. Parce qu'il est venu Jésus. Ici, on nous parle d'abord du Seigneur Jésus. Parce qu'il est venu, il était assis sur une ânesse.
Lorsqu'il est rentré à Jérusalem là-bas, sur une ânesse, le roi des Juifs, Jésus. Sur une ânesse, il n'avait pas un gros char, il n'y avait pas une fanfare devant lui. Pourquoi? Parce que justement, ces faux prophètes-là, il y a tellement de fanfares, tellement de publicité, tellement de pubs. C'est tellement de marketing. Et là, le Seigneur nous apprend que le royaume-là n'est pas ici. Son royaume n'est pas à l'intérieur. Lorsqu'on voit maintenant, il y a tellement de publicité, de marketing qui sont faits autour des hommes de Dieu, des serviteurs. Ici, là, on apprend que ce n'est pas le royaume. Parce que quand le royaume de Dieu arrive, ça arrive sans attirer l'attention. Dans l'humilité, dans la simplicité. C'est ça aussi le royaume, l'humilité, la simplicité de Dieu. Jésus qui est l'image du royaume de Dieu lui-même, était humble, était simple. Il était confondu à tout le monde. Pourquoi ces pasteurs, n'est-ce pas, veulent toujours marquer la différence? Par leur vestimentaire, on sait que ça c'est le pasteur, ça c'est le prêtre, ça c'est l'évêque, ça c'est l'imam. Là, c'est plus le royaume. Parce que si on apprend que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention. Quand le royaume arrive, la simplicité est manifeste. Quand le royaume arrive, l'humilité est manifeste. C'est ça le royaume aussi. Donc ici, c'est un nouvel aspect du royaume. On apprend que le royaume ici ne vient pas de manière à frapper les regards, à attirer l'attention. Ce n'est pas à chaque fois que tu vois les publicités, les affiches, avec, n'est-ce pas, bien frappé par Photoshop, forcément que le royaume est là. Parce que quand Jésus arrive, il arrive dans la simplicité. Et ce qui fait la différence, c'est la puissance de Dieu. On verra le royaume sur l'aspect de la puissance tout à l'heure. C'est un autre aspect du royaume. Ça ne vient pas de manière à attirer l'attention. Mais regardons nos assemblées. Regardez, n'est-ce pas, moi, toutes ces religions. On prétend que le royaume de Dieu est à l'intérieur, que Jésus est à l'intérieur. Le royaume n'est pas dans le matu vu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le matu vu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas l'orgueil. Le royaume de Dieu, n'est-ce pas, ce n'est pas le fait de faire des choses pour être vu, pour être connu, être apprécié. Le royaume de Dieu, c'est l'humilité. Le royaume, c'est quoi? C'est la simplicité. Alléluia. On est dans Luc 18, 29. On va encore voir un autre aspect du royaume. Luc chapitre 18, le verset 29. Luc chapitre 18, le verset 29. Donc on a vu ici un autre aspect du royaume. Le royaume ne vient pas de manière à attirer les gars, à attirer l'attention. Le royaume de Dieu fait l'humilité. C'est avoir le cœur pour Dieu. Parce que regardez, la Bible nous enseigne que le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais que tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Donc, si Jésus a été simple, si on appartient à son royaume, on doit être simple. Verset 29 de Luc, chapitre 18. Bon, on va dire à partir du verset 28. Pierre dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Il leur dit, amen, je vous le dis. Il n'est personne qui, ayant quitté pour l'amour du royaume de Dieu, sa maison ou ses parents, ou ses frères, ou sa femme, ou ses enfants, verset 30, ne reçoit beaucoup plus en ce temps-ci et dans l'âge à venir la vie éternelle. Donc ici c'est Pierre, gardez l'écran, la Bible sur l'écran s'il vous plaît. Ici c'est Pierre qui dit au Seigneur, ok Seigneur, on t'a suivi, on a tout quitté à cause de ton royaume, n'est-ce pas? Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Il leur dit, il n'y a personne qui ayant quitté pour l'amour du royaume de Dieu. Nous a dit que l'amour pour le royaume de Dieu nous amène à quitter beaucoup de choses. L'amour pour le royaume de Dieu nous amène à quitter le péché. L'amour pour le royaume nous amène à quitter, n'est-ce pas, ces choses qu'on aime. Ils se sont quittés qui? Leur maison, leurs parents, leurs frères, leurs femmes et leurs enfants. C'est-à-dire que le royaume de Dieu, lorsque le royaume de Dieu arrive, il vient opérer la séparation. Ici, je veux bien expliquer le contexte, hein. Ce n'est pas qu'ils n'aimaient plus leurs parents, leurs frères, leurs femmes, leurs enfants. Non, Dieu est le Dieu de la famille. Dieu ne nous encourage pas à haïr nos parents, nos familles. Non, mais si on comprend l'aspect spirituel de la chose, c'est qu'à cause du royaume de Dieu, si nos parents nous amènent à faire des choses que Dieu ne veut pas, on dit non. À cause du royaume de Dieu, si nos enfants ne veulent pas suivre Jésus, on dit non, on n'est pas d'accord. Nos femmes, nos enfants, nos frères, nos soeurs, nos familles, c'est ça ici. Donc à cause du royaume de Dieu, n'est-ce pas, lorsque le royaume arrive dans nos cœurs, dans nos vies, le royaume amène la séparation. Premièrement avec le péché. Deuxièmement avec le monde. Troisièmement avec notre chair, avec notre entourage. Parce que le royaume nous parle de la lumière de Dieu.
Donc quand le royaume arrive, la séparation est manifeste. La séparation vient séparer. Le royaume de Dieu vient séparer, nous séparer du péché. Donc ici, Pierre dit au Seigneur, Jésus, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Bon, qu'est-ce que tu nous donnes maintenant? Et Jésus va leur dire, n'est-ce pas au verset 39, au verset 30, qu'il n'y ait personne, voilà, verset 30, ne reçoive beaucoup plus en ce temps-ci et donne à venir la vie éternelle. Dans le royaume de Dieu, on nous parle de la vie éternelle. Mais aussi, on apprend quoi? Que lorsqu'on renonce au mal, au monde, à cause du royaume, on reçoit des choses sur terre. Il dit qu'ils ne reçoivent beaucoup plus en ce temps-ci. Mais qu'est-ce qu'on reçoit lorsqu'on accepte Jésus? Au-delà de la vie éternelle qu'on a vue. Mais on reçoit sa nature. On reçoit son caractère. On reçoit des frères et des soeurs dans le Seigneur. On reçoit des papas et des mamans dans le Seigneur. On reçoit des femmes, des enfants, des soeurs, des amis dans le Seigneur. Pourquoi c'est beaucoup plus que nos familles, nos parents naturels? Parce qu'en Jésus, n'est-ce pas, l'amour est pur, l'amour est sans hypocrisie. Parce qu'en Jésus, n'est-ce pas, on reçoit plus. C'est-à-dire que même dans les aspects de notre vie quotidienne, la main de Dieu est avec nous. C'est ça les aspects du royaume. Dieu est avec ses enfants. Et partout là où on passe, on amène le royaume de Dieu avec nous. On amène le règne de Dieu. Le royaume de Dieu nous parle de quoi? Du règne de Jésus. Il fait la prière qu'il enseigne à ses disciples que ton règne vienne. Le royaume de Dieu nous parle du règne de Dieu. Il vient régner, il veut régner dans nos cœurs. Il veut régner dans nos vies. Il veut régner dans nos familles. Il veut régner dans nos couples, dans nos foyers. Qui règne dans ton cœur? Qui règne dans ton couple? Qui règne dans ton foyer? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est le sexe? Excusez-moi. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est les biens de ce monde? Donc ici, on apprend un autre aspect du royaume. Que lorsqu'on quitte le royaume, nous parle de la séparation. Le royaume apporte la séparation. C'est un autre aspect du royaume. Le royaume, c'est l'aspect de la séparation. Le royaume vient nous séparer du monde. Nous séparer du péché. Nous séparer de tout ce que Dieu n'aime pas, de ce que Dieu ne veut pas. Oui. Tu ne peux pas prétendre appartenir au royaume de Jésus et vivre comme tu veux. Parce que le royaume est ordonné. Jésus est Dieu et il règne sur nous. Et en tant que héritier du royaume, nous avons une conduite, nous avons une vie, nous avons une façon de marcher. On ne peut pas prétendre appartenir au royaume de Dieu, n'est-ce pas, et vivre comme on veut. C'est ça la différence avec l'autre royaume. Le royaume de Satan, c'est l'anarchie totale. C'est le désordre. Alléluia. Donc on est dans Jean 3, le verset 5. Donc ici, on est en train de voir les différents du royaume. On voit les différents aspects du royaume. Mais aussi de l'autre côté, on voit aussi qu'il y a un autre royaume, le royaume des ténèbres. Il y a toujours conflit de deux royaumes. Parce que le royaume des ténèbres vient s'oppose au véritable royaume. Jean, n'est-ce pas, chapitre 3, le verset 5. Jésus répondit, amen, amen, je te le dis. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc ici, Jean, chapitre 3, nous parle de l'échange, de la conversation entre Jésus et Nicodème. Et ici, le Seigneur nous apprend que l'accès au royaume de Dieu est conditionné par la naissance d'eau et la naissance d'esprit. Alors, la religion catholique nous a appris que la naissance d'eau, c'est le baptême d'eau, ce qui est archi faux. Donc ici, on apprend que l'accès au royaume de Dieu est conditionné par la naissance d'en haut, par la nouvelle naissance, qui est l'image de la naissance selon l'eau et la naissance selon l'esprit. La naissance selon l'eau nous parle de quoi? Nous parle de la parole de Dieu. Alléluia, simplement. L'objet de l'enseignement, ce n'est pas la naissance d'en haut, donc on ne va pas s'attarder sur ça. Mais simplement parce que passage voulait mettre en évidence que l'accès dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas, est conditionné par la naissance d'en haut. Donc ici Jésus dit à Nicodème, amen, amen, je te le dis. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc frère, sœur, papa, maman, nous tous qui voulons avoir accès au royaume, l'accès est conditionné par la nouvelle naissance. Est-ce que la naissance d'en haut, la nouvelle naissance nous parle d'adhérer à une assemblée, à un bâtiment, à une religion? Non.
On n'est pas né de nouveau parce que notre papa est pasteur et qu'on est fils de pasteur. On n'est pas né de nouveau, n'est-ce pas, parce qu'on nous a baptisés, on nous a versé des gouttes d'eau lorsqu'on était bébé. On n'est pas né de nouveau parce qu'on est musulman, parce qu'on est éveillé, parce qu'on a adhéré à une religion. On est né de nouveau parce qu'on est né selon la parole de Dieu et parce qu'on est né selon l'Esprit, parce qu'on a été baptisé dans le Saint-Esprit, parce qu'on a reçu l'effusion du Saint-Esprit lors de la nouvelle naissance. Et qu'est-ce que la nouvelle naissance produit en nous? La nouvelle naissance produit la haine du péché. Elle produit la sainteté. Elle produit la crainte de Dieu. Donc ici, on voit que l'accès au royaume des cieux est conditionné par la naissance d'en haut. Par la naissance d'en haut. L'accès au royaume des cieux ici est conditionné par la repentance, par la conversion et par la confession. Alors, c'est quoi la confession? Le fait d'avouer nos péchés à Dieu. Pas à un homme d'abord, mais à Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous accorde le pardon. La confession, c'est le fait de demander pardon à Dieu pour nos péchés. Et 1 Jean chapitre 9, 1 Jean chapitre 1, le verset 9 nous l'enseigne que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est la confession. Mais avant la confession, il y a la repentance, la métanoïa. On est touché par la parole de Dieu. Nos cœurs réalisent leur état de péché. Et là, on demande pardon à Dieu pour nos péchés. Ensuite, on est converti. La conversion nous parle du changement radical de vie. N'est-ce pas? Le royaume des cieux est conditionné par ces choses, par la naissance d'en haut, par la confession, par la repentance et par la conversion. Donc le but de ce partage ce soir, c'est venu que le royaume des cieux existe. Le royaume de Dieu est réel. Et le royaume des cieux, n'est-ce pas, des conditions pour y avoir accès. C'est la repentance, c'est demander pardon à Dieu pour ses péchés. Et on a aussi vu les différents aspects du royaume, la sainteté. On a parlé du royaume sur l'aspect de Jésus, qui est le royaume. On va aussi voir tout à l'heure d'autres aspects du royaume. On est dans Actes chapitre 14, verset 22. Actes chapitre 14, verset 22. Parce que on a beaucoup d'assemblées qui veulent nous faire croire qu'une fois qu'on a accepté Jésus, n'est-ce pas, la souffrance ne doit pas faire partie de notre quotidien. Il y a tellement de cantiques, n'est-ce pas, de louanges qui voulaient le faire croire. Mais ici dans Actes, chapitre 14, verset 22, montez un peu plus haut, s'il vous plaît. Verset 21. Voilà. Quand ils eurent évangélisé cette ville, ils firent un certain nombre de disciples. Ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Verset 22. Fortifiant les âmes des disciples, et les exhortant à persévérer dans la foi, disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc on voit encore un autre aspect ici. C'est que lorsqu'on est né de nouveau, parce qu'ici on voit qu'il a Paul, n'est-ce pas, a fait un certain nombre de disciples. Où? À Lystre, à Icône, à Antioche. Donc c'était des personnes qui étaient déjà nées de nouveau. Et qu'est-ce que Paul ici leur enseigne comme évangile? Il leur apprend que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut avoir accès au royaume. Donc on voit aussi un autre aspect, n'est-ce pas? L'accès au royaume est conditionné par les tribulations. Donc fortifiant les âmes des disciples, il les exhorta à persévérer dans la foi. Pour avoir accès au royaume, il faut, un, persévérer dans la foi. Donc l'accès au royaume, on a de la nouvelle naissance, est conditionné par la persévérance dans la foi. Pourquoi? Parce que si tu acceptes Jésus, et qu'après tu retournes à tes vomis, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Donc ici on apprend que pour avoir accès au royaume, il faut persévérer dans la foi en Jésus. Pas la foi en Branham, pas la foi en des idoles, mais la foi en Jésus. Donc il exhorte les disciples à persévérer dans la foi et leur disant, n'est-ce pas, que c'est pas, à persévérer dans la foi, disons que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc l'accès au royaume est conditionné aussi par les tribulations. Les tribulations nous parlent de quoi? Des épreuves. Nous parlent des déserts. Nous parlent des difficultés. Pourquoi? Parce que le but des épreuves, des tribulations, c'est de nous nettoyer. Donc ici, c'est un autre aspect du royaume, les tribulations. Pour avoir accès, il faut être passé par les persécutions. Donc en d'autres termes, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend ici que les chrétiens qui veulent vivre comme ils veulent, qui ne savent pas que le royaume de Dieu est conditionné par les tribulations, par les souffrances, ne peuvent pas y avoir accès. Si on t'a dit que Jésus, c'est la belle vie, dans le sens où on a
accepte le Seigneur et puis après, on vit comme on veut, on n'est pas soumis à des souffrances, c'est une erreur. Si on apprend, n'est-ce pas, que l'accès au royaume est conditionné par les tribulations, et mais aussi par la persévérance dans la foi. Persévérer dans la foi, c'est demeurer dans la foi. Donc si on abandonne la foi, si on abandonne l'évangile véritable, on perd le royaume. Donc qu'est-ce qu'on apprend ici qu'on peut retenir? C'est que l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, on peut le perdre. On peut le perdre. Amen. C'est vraiment, frère, pour nous encourager à dire que l'homme de Dieu est vrai, que l'homme de Dieu est une réalité et que l'accès aujourd'hui est encore disponible. L'accès aujourd'hui est encore disponible. Demain, il pourrait être trop tard. C'est le temps de saisir la main de Dieu. C'est le temps de saisir la grâce du Seigneur. On va encore prendre un autre passage dans 1 Corinthiens 4, 20. On va encore voir un autre aspect du royaume. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20. Donc l'accès au royaume ici est conditionné par les épreuves, par les difficultés, par les combats. Donc, un chrétien qui ne veut pas être éprouvé, c'est un chrétien qui est en train de dire au Seigneur que je ne suis pas apte à rentrer dans ton royaume. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20. Paul va dire ici, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Donc ici, on apprend que le royaume de Dieu, ce n'est pas beaucoup parler. Il dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Donc le royaume de Dieu nous parle de la puissance de Dieu. C'est quoi la puissance? Ici, la puissance nous parle de conversion, nous parle de délivrance, de guérison, nous parle du fait de voir Dieu à l'œuvre. Frère, si tu vas dans une assemblée où on prêche de Jésus, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de restauration, il n'y a pas de manifestation de dons de l'Esprit, c'est que Jésus n'est pas là-bas. Parce qu'un autre aspect du royaume, c'est l'aspect de la puissance. Ici, il dit que le royaume de Dieu ne fait pas beaucoup parler. Le royaume de Dieu, ce n'est pas faire du marketing, de la pub. Ce n'est pas aller toucher la sorcellerie, faire tomber les gens. Le royaume de Dieu, ce n'est pas faire tomber les gens, les assommer les dimanches. Non, 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 non. Et puis nos vies ne sont pas changées. La puissance de Dieu, premièrement, c'est les conversions véritables. Lorsque la puissance de Dieu se manifeste dans la vie des hommes et des femmes, c'est que leurs vies sont changées. Regardez la puissance de Dieu. Le fou de Gadara, il était enchaîné. Il faisait peur à tout le monde. Même sa famille l'avait abandonné. Mais quand la puissance de Dieu s'est manifestée, il est revenu dans son bon sens. Il a été guéri. Il a prêché le royaume. C'est quoi la puissance de Dieu? C'est Paul lui-même, un grand persécuteur de l'église. Il mettait les gens en prison. Il a participé au crime d'Étienne. Mais lorsque la puissance de Dieu s'est manifestée dans sa vie, il a été complètement changé. C'est quoi la puissance de Dieu, n'est-ce pas? C'est tous ces hommes et ces femmes dans la Bible. Des prostituées, telles que la femme, n'est-ce pas, qui est venue, n'est-ce pas, baiser les pieds du Seigneur. Qui a été changée. C'est quoi la puissance de Dieu? C'est Lazare qui était mort car Dieu, qui a été ressuscité. C'est quoi la puissance de Dieu, n'est-ce pas? C'est voir des fous, des fois être guéris, délivrés, changés. C'est ça la puissance de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est aussi la puissance. Ce n'est pas l'évangile de parole, simplement parler, Jésus guérit, guérit, on ne voit pas la guérison de Dieu. Le royaume de Dieu nous parle de la puissance de Dieu. Il est temps que les chrétiens, il est temps que l'église expérimente la puissance de Dieu. Parce que c'est ça le royaume de Dieu, c'est la puissance. Ce n'est pas faire tomber les gens, non, 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 ça n'a rien à y voir. Parce qu'on peut aller toucher les gris au village, on peut aller, n'est-ce pas, toucher la magie pour faire tomber les gens. Les gens sont toujours dans leur péché. La puissance de Dieu se manifeste premièrement par l'abandon du péché. Quand tu vois quelqu'un qui était un délinquant, un braqueur, un violeur, un voleur, une prostituée, qui n'avait plus de vie, qui ne vivait que du meurtre, renoncer à cela comme Nicky Cruz, ça c'est la puissance de Dieu. Qui était un grand bandit, qui a tué, qui a fait beaucoup de mal. Ça c'est la puissance de Dieu. Comme mon frère Chetel, n'est-ce pas, que Jésus a complètement changé. Qui était un ancien bandit, qui a tué. Mais que Jésus a fait un homme de valeur. Ça, c'est la puissance de Dieu qui peut le faire. Tel que toutes nos vies, autant que nous sommes, qui étaient esclaves du péché, beaucoup parmi nous étaient esclaves de la pornographie, esclaves de la masturbation, esclaves du sexe, de l'alcool, du viol, du meurtre. Mais que Jésus a changé, et c'est la puissance de Dieu. C'est ça le royaume. C'est voir, c'est quoi la puissance de Dieu? C'est les guérisons, c'est les délivrances, les restaurations. C'est ça la puissance de Dieu. Donc la puissance de Dieu, n'est-ce pas, ça menait le règne de Dieu partout là où on passe. Oui, frère.
Si tu vas dans une assemblée chrétienne, après 3 ans, 4 ans, 5 ans, il n'y a toujours que 2, 3, 4, 5 membres. Dieu n'est pas dedans. Parce qu'il n'y a pas la puissance de Dieu. La puissance de Dieu dans les assemblées, on doit avoir la croissance numérique. La puissance de Dieu dans les assemblées, on doit voir les gens être formés, être enseignés, bâtis, pour pouvoir aussi servir Dieu. Si tu es dans une assemblée 10 ans, tu ne connais pas ton ministère, tu ne connais pas ce à quoi Dieu t'appelle. Ça, ce n'est pas Dieu. Tu es toujours assis, tu es toujours le même. C'est quoi la puissance de Dieu? C'est que même lorsque tu es seul chez toi, que ton enfant est malade, tu lui imposes les mains, Jésus le guérit. Ce n'est pas réservé au pasteur. Allô, pasteur est complètement diabolique. Donc ici, on apprend notre aspect du royaume, l'aspect du royaume sur, le royaume sur l'aspect de la... Donc, excusez-moi, de la puissance. Cette puissance, c'est quoi? C'est le changement de vie. Cette puissance, c'est quoi? C'est voir l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas, avancer. Dans le royaume de Dieu, nous parle de la puissance de Dieu. Donc, pourquoi la puissance de Dieu? C'est parce que le Dieu compris n'est plus dans la tombe. Jésus n'est plus dans le tombeau. Jésus est mort, il est ressuscité. Sa résurrection nous parle de la puissance. Alors, si nous appartenons au royaume de Dieu, nous sommes censés vivre la puissance de Dieu. Nous sommes censés vivre des conversions. Tu es chrétien depuis 10 ans. Personne ne s'est jamais converti par ton évangile. Il faut revoir ta vie chrétienne. Tu es chrétien depuis 10 ans. Tu n'as jamais pu former une seule âme. Où est la puissance de Dieu dans ta vie? Tu es converti depuis 10 ans. Tu es toujours esclave des mêmes péchés. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Ça, ce n'est pas la puissance de Dieu. Parce que quand la puissance de Dieu se manifeste, nos vies sont changées. On l'a vu avec le Seigneur Jésus. On l'a vu avec les disciples et les apôtres. On l'a vu avec beaucoup de pères dans notre génération, des pères de l'Église dans notre génération. Et on le voit aussi avec beaucoup parmi nous. La puissance de Dieu, ils sont fait accompagner les enfants de Dieu. Parce que notre Dieu est tout puissant. Alors pourquoi son peuple, ses enfants ne doivent pas être puissants? Pourquoi ils ne doivent pas vivre la puissance de Dieu? Dans le royaume, c'est la puissance. Amen. Le royaume nous parle aussi de quoi? Le royaume aussi nous parle de l'église de Dieu. L'église aussi est une image du royaume. Pourquoi? Parce que Jésus règne sur nous. On peut prendre un passage dans Colossiens. On peut prendre un passage dans Colossiens. Dans Colossiens chapitre 1. À partir du verset 15. Donc, Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15. Donc, ici, c'est Paul qui parle. Il dit, lequel est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Car par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, ou les seigneurs, ou les principautés, ou les puissances. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Donc, ils sont là pour que toutes ces choses ont été créées par notre Seigneur. Les trônes, les seigneuries, les principautés, les puissances ont été créées par notre Dieu. Verset 17. On dit, il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent par lui. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin qu'ils tiennent le premier rang en toutes choses. Donc ici on apprend que Jésus est la tête du corps de l'Église. Et si Jésus qui est la tête du corps de l'Église est puissant et glorieux, n'est-ce pas? On ne peut que l'être. Pourquoi? Parce que celui de la tête, il est la tête du corps. Nous sommes l'Église, nous sommes son corps. Donc si c'est Jésus le royaume, le corps de Jésus est forcément le royaume. Nous sommes des parties du royaume. Nous sommes des éléments du royaume. Nous sommes censés apporter le royaume de Dieu là où on passe. Chrétien, là où on part, à l'école, au lycée, à l'université, au lieu de travail, n'est-ce pas? Partout où on passe, on est censé amener le royaume de Dieu. On est censé amener le règne de Dieu. Donc on apprend ici que toutes choses ont été créées par lui. Les seigneuries, les puissances, les autorités, n'est-ce pas? Dans les lieux, toutes ces choses ont été créées par Dieu. Et on apprend que ici, Jésus est la tête du corps. Il est glorieux. On est censé vivre la gloire de Dieu. Cette gloire, ce n'est pas, n'est-ce pas, devenir riche.
On est censé vivre la gloire de Dieu. On est censé vivre le règne de Dieu. Que ton règne vienne. Romains 14, le verset 17. Romains 14, le verset 17. On va encore voir un autre aspect du royaume. Donc, dans Romains chapitre 14, verset 17, on va encore voir un autre aspect du royaume. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas la viande et le boire, mais il est justice, paix et joie par le Saint-Esprit. Gardez un peu, s'il vous plaît, le curseur sur la Bible, sur l'écran, s'il vous plaît. Ici, il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas la viande et le boire. Donc, on apprend ici que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, ce ne se manifeste pas par les vêtements. Le royaume de Dieu, ce ne se manifeste pas, n'est-ce pas, par le travail, le mariage, par ces choses. Mais on apprend ici que le royaume de Dieu, c'est la justice. Le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Donc là, c'est un autre aspect du royaume. Donc, on voit les différents aspects du royaume ici. On voit le royaume sur l'aspect de la justice. Le royaume sur l'aspect de la paix et de la joie. C'est quoi la justice? Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'équité. C'est quoi la justice? C'est la joie. C'est quoi la justice? C'est l'équilibre. C'est quoi la justice, n'est-ce pas? C'est le fait de ne pas faire ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. C'est quoi la justice? C'est le fait, n'est-ce pas, que la parole de Dieu s'accomplisse. Donc ici on apprend, n'est-ce pas, que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice. C'est la justice. C'est quoi la justice? C'est le fait d'être intègre. La justice nous parle de l'intégrité. Donc en tant que chrétien, on doit être intègre. Si on appartient au royaume, si on veut vivre le royaume, quand on dit car le royaume, on n'a pas dit un aspect, on dit le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume, c'est la justice. C'est l'équité. Qu'est-ce qui est contraire à la justice? L'injustice. La malhonnêteté, les partis pris, le favoritisme. Donc, c'est des choses qu'on ne doit pas retrouver dans l'Église. Donc, le royaume de Dieu, c'est la justice. Le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie. La paix et la joie, n'est-ce pas, c'est des fruits de l'Esprit qui, peu importe ce qu'on vit, peu importe ce par quoi on passe, qui nous permettent d'avoir confiance en Dieu. La paix nous parle de la tranquillité. La paix nous parle du calme. La paix nous parle de la douceur. La joie nous parle de quoi? La joie, ce n'est pas seulement le fait de rire. La joie nous parle de l'assurance. La joie nous parle de la confiance. La joie nous parle aussi de la réjouissance. C'est-à-dire que la Bible nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. N'est-ce pas? Donc si on vit le royaume sur l'aspect de la paix, peu importe ce par quoi on passe, on va être confiant en Jésus. On va garder nos calmes, notre calme. L'aspect, n'est-ce pas, sur l'aspect de la joie, on va tous se réjouir dans le Seigneur. Donc on apprend ici que le royaume n'a rien à voir avec le manger, le boire. Ce n'est pas la viande, ce n'est pas le boire. Donc le royaume de Dieu n'a rien à voir avec ces choses. Les gens disent qu'ils vivent le royaume parce qu'ils partent en Israël, c'est laver à la mer rouge, tout ça là. Ce n'est pas ça le royaume. Le royaume, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire. Le royaume, ce n'est pas la fête simple. Ce n'est pas que la fête. Amen. Le royaume est justice, le royaume est paix, le royaume est joie. On va prendre un passage dans l'Apocalypse. On termine bientôt. On est dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Le verset 21. Apocalypse chapitre 21, autant pour moi. Apocalypse chapitre 21, à partir du premier verset. Donc Apocalypse chapitre 21, à partir du premier verset. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Verset 2. Et moi, Jean, je vis la cité sainte, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel de près de Dieu, parée comme une épouse qui s'est ornée pour son mari. Verset 3. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les humains. Il dressera sa tente avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera leur Dieu, il sera avec eux. Verset 4. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées. Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit, écris,
car ces paroles sont véritables et certaines. Donc ici, on nous parle de la nouvelle Jérusalem. Verset 6, oui. Il me dit aussi, tout est accompli. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Amen. Verset 7. Le vainqueur héritera de toutes ces choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Donc, ici, on nous parle de la nouvelle Jérusalem. Donc, on nous parle ici de, c'est ça le royaume, la nouvelle Jérusalem. Il dit que les premières choses sont passées. Il dit que voici, fait toutes choses nouvelles. Toutes choses nouvelles. Il est qu'il voit il a vu une nouvelle terre, un nouveau ciel, des nouveaux cieux, une nouvelle terre qui sont descendus auprès de Dieu. Oui, c'est pour nous rappeler ces choses. La terre sur laquelle nous vivons, n'est-ce pas, va disparaître. C'est pour qu'il faut qu'on s'attache au royaume qui n'est pas, qui est inébranlable. Prenons vite un passage dans Hébreux 12, 28, pour terminer. Hébreux 12, 28. Hébreux 12, le verset 28, pour terminer. C'est pourquoi saisissons le royaume qui ne peut pas être ébranlé. Retenons fermement la grâce et par elle rendons un culte à Dieu d'une manière qui lui soit agréable avec respect et crainte. Donc ici, c'est pourquoi saisissons le royaume qui n'est pas ébranlé. Donc on apprend ici un autre aspect du royaume, c'est que le royaume de Dieu est inébranlable. Le royaume de Dieu est indivisible. On ne peut pas diviser le royaume de Dieu. On ne peut pas diviser l'église de Dieu. Amen. Et le royaume de Dieu ne peut pas être ébranlé. On dit saisissons le royaume qui ne peut pas être ébranlé. Donc on apprend ici, n'est-ce pas, que le royaume de Dieu est inébranlable. Quelle assurance qu'on a. Là, c'est un autre aspect du royaume. Il est inébranlable. Il ne peut pas être détruit. C'est ça, inébranlable. Le royaume de Dieu ne peut en aucun cas être détruit. L'église de Dieu ne peut pas être détruite. Les chrétiens que nous sommes, Satan ne peut pas nous détruire sauf si on lui donne accès. Donc il dit, saisissons le royaume qui n'est pas, qui est inébranlable, qui ne peut pas être ébranlé. Oui, frère. On a vu que le royaume de Dieu, c'est Jésus. Le royaume de Dieu, n'est-ce pas, c'est le ciel. C'est la nouvelle Jérusalem, c'est l'église de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est aussi nos vies. Parce que la Bible dit que ton règne vienne dans nos cœurs, dans nos vies. Donc ici, on apprend que ce royaume ne peut pas être ébranlé. Donc, un, le royaume est inébranlable, le royaume de Dieu. Deux, le royaume de Dieu ne peut pas être divisé. Parce que c'est Jésus qui est assis sur le trône de celui qui règne. Donc, le royaume de Dieu est inébranlable, il est indivisible. Il est fondé, bâti sur la justice et l'équité. Le royaume de Dieu est bâti sur la sainteté, sur la pureté, sur la vérité, sur la lumière, sur la justice, sur la droiture, sur l'honnêteté. C'est ça le royaume. Oui, si on veut appartenir à ce royaume, on a vu qu'il faut passer par la naissance d'en haut. Il faut renoncer au péché, il faut renoncer aux ténèbres. Si on veut appartenir à ce royaume, on doit persévérer dans la foi. Si on veut appartenir à ce royaume, n'est-ce pas, on doit demeurer dans les, on doit accepter les épreuves, les oppositions, les combats. Parce que le royaume de Dieu est à venir. Alléluia. Persévérons, frère, tenons ferme, car le royaume de Dieu arrive. On va prendre un autre passage. Dans Hébreux chapitre 13, le verset 14. Hébreux chapitre 13, le verset 14. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Donc nous n'avons pas ici-bas de cité. La cité peut nous parler du royaume. On n'a pas de royaume sur la terre, mais nous cherchons celle qui est à venir. Parce que notre véritable royaume, c'est le ciel, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi, frère, au-delà de tes épreuves, de tes combats, de tes difficultés, persévère, tiens ferme, ne renonce pas à la foi, ne baisse pas les bras, parce qu'on attend le royaume qui est à venir. Ce royaume, il est inébranlable. Donc il dit, nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Notre cité n'est pas sur terre. Donc on est ici pour un temps. On n'est pas ici éternellement sur la terre. On n'est pas ici pour toujours. C'est pourquoi nous n'attachons pas la poussière. Nous n'attachons pas la vanité. Parce que le monde passe. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Cherchons le ciel, la nouvelle Jérusalem. Cherchons les choses d'en haut. Parce que notre véritable cité est céleste. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur.
C'est pas qui le dit dans Corinthiens, je ne sais plus. Les frères peuvent m'aider. Nous cherchons cette cité, celle dont Dieu a acheté le constructeur. On va regarder dans 1 Corinthiens 4. Oui, frère, nous voulons aller au ciel. C'est notre véritable royaume. Nous ne voulons pas nous attacher à la poussière, à la vanité. Nous ne voulons pas nous attacher à ces choses. Car notre royaume est céleste. 2 Corinthiens, je crois que c'est dans 2 Corinthiens chapitre 4. Dans 2 Corinthiens chapitre 5. On va lire à partir du premier verset. 2 Corinthiens, n'est-ce pas, chapitre 5. Merci, merci. Donc, alléluia, c'est ça. Hébreux, n'est-ce pas, chapitre 11, le verset 10. Car ils attendaient la cité qui a des fondements. C'est donc Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est ce qu'il cherchait, merci frère. Hébreux 11, verset 10. On nous parle des héros de la foi qui attendaient la cité qui a des solides fondements. Parce que les fondements, n'est-ce pas, de la terre souvent sont ébranlés. Mais on nous parle de la cité, n'est-ce pas, qui a des fondements solides. C'est donc Dieu est l'architecte et le constructeur. Dans le royaume de Dieu auquel nous aspirons, c'est qui l'architecte? C'est Dieu. Qui a construit ça? C'est Dieu lui-même. C'est magnifique. On a des architectes terrestres, des maçons terrestres ici, là, tous ceux qui nous construisent des belles maisons. Mais pensons au ciel. On dit que le ciel, là, les fondements, là, c'est Dieu lui-même qui en est le fondement. Il est l'architecte, celui qui pense au plan, qui a pensé au plan, qui a dessiné le plan. Et c'est lui-même aussi qui est le constructeur. Oh, frère, persévérons. Attention à ce royaume, car c'est le véritable royaume, il est ébranlable. Il est inébranlable autant pour moi. Jésus est l'architecte, il est le constructeur du royaume auquel nous aspirons. Alléluia. Oh, que Dieu nous encourage, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous aide à persévérer, à tenir ferme, à ne pas nous décourager, car le royaume de Dieu a des fondements solides. C'est Jésus qui a construit le ciel. C'est pourquoi battons-nous. Pour ne pas rater le royaume. Le royaume de Dieu est proche. Jésus est le royaume. Il revient bientôt. Peu importe tes combats, tes difficultés, tenons bon, car Jésus revient. Donc voilà, par la grâce du Seigneur, ce que je voulais partager avec nous aujourd'hui, le royaume. Que Dieu nous garde, que sa parole reste gravée dans nos cœurs. Que Dieu nous aide à saisir ces choses. Et ma prière pour terminer, c'est que Dieu illumine les yeux de nos cœurs afin qu'on puisse comprendre et saisir sa parole par l'Esprit. Que Dieu nous garde. Bonne soirée chez vous.